Elke dag doorkruisen 3 teams, in totaal 18 personen, het land om de klokken van de stations en stopplaatsen te herstellen en te onderhouden. Bernard van der Heijden is één van hen, want een klok verslijt. On peut dire qu'on a grosso modo 2 causes. On a les pièces internes qui s'usent, donc par exemple l'éclairage qui est défectueux après un certain nombre d'années, donc les tubes doivent être remplacés, les mouvements qui fatiguent. Et puis vous avez un ensemble de causes plus externes comme le vandalisme. Het is moeilijk te begrijpen van waar begin januari de polemiek in de pers is gekomen. Men kondigde er de beslissing van Infrabel aan om de klokken af te schaffen. Voor de reizigers is dat belangrijk. Ja, omdat ik nooit geen horloge aan heb. Dan moet ik op mijn gsm gaan kijken en zo, maar dus ik vind dat belangrijk. Je règle mon heure par rapport à l'horloge de la gare pour être sûr d'avoir la bonne heure et pas rater mon train et comme ça tout le monde est à la même heure. Ik ga meestal voort op het horloge van het station. Ja, een uurwerk kan ook verkeerd lopen, hè. Il y a toujours eu et il y aura toujours des horloges dans une gare. C'est la première chose qu'on fait lorsqu'on rentre dans une gare, c'est de vérifier l'heure qu'il est et parfois même de régler son heure en fonction. Ça fait partie des missions d'Infrabel que de donner l'heure aux voyageurs. Donc il y a et il y aura toujours des horloges. C'est pour ça que nous allons continuer non seulement à les entretenir, mais aussi à les réparer et au besoin à les remplacer. Er zijn 3000 klokken in het Belgische netwerk. En de reizigers kunnen eveneens één van de 754 digitale monitors raadplegen, die uiteraard nooit helemaal de analoge klokken zullen vervangen. Infrabel had de vervanging van alle klokken voorzien tussen nu en 2025. Maar met het oog op een goed beleid is er besloten om dit plan op te schorten. Ja, we hebben dus wel degelijk budget voorzien voor het onderhoud van de horloges. We gaan alleen niet 19 miljoen euro uitgeven om alle horloges te vervangen. Dat zou een beetje onzinnig zijn. Zeker als die horloges nog perfect functioneren, dan heeft het geen enkele zin om die te vervangen. Dus we fixeren ons vooral op het onderhoud. Niet alleen zullen de klokken blijven, maar ze zullen ook een betrouwbare tijd blijven geven. Nous avons un système de synchronisation qui est basé en fait sur un signal émis d'Allemagne que nous captons à différents endroits en Belgique par un équipement qui s'appelle une horloge mère. Et cette horloge mère va commander différentes horloges secondaires. Vous avez ici des horloges secondaires pilotées par une horloge mère. Donc ces horloges reçoivent un signal télécom qui leur indique précisément l'heure qu'il est. Et elles le reproduisent avec leur mouvement, leurs aiguilles. De reizigers zijn gerustgesteld. De klok is voor de stations als de boon in de koningskoek. Je kan er niet aan voorbij gaan.